Dream about him. Sora dans Smash! Sora dans Smash! Sora dans Smash! Salut les gens! Salut, bienvenue dans le petit live. Tu m'enverras la vidéo, Bat? Bat? Tu m'enverras la vidéo? Ah, ça va alors, c'est bien. Salut les gens, bienvenue Flo pour les 10 mois d'abonnement. Il va falloir que je prépare le badge d'un an. La clépée! La clépée dans Smash! Ah, et ben voilà. Ça va le son, la musique est pas trop basse ou trop forte? Bienvenue Sanguinus, salut Flo, à tes souhaits Bat, bienvenue Angelus. Salut Flo, bonne année. Par contre Sanguinus, je fais pas un don à dessin aujourd'hui. Regarde le titre, c'est pas un don à dessin, mais merci pour les beats. Je fais un dessin, j'ai un dessin que je suis en train de faire un dessin en fait. Du coup, C'est très cool ce dessin. Ça veut dire Sora et Mario. Salut Flo. D'ailleurs, je vais enlever le 1 dans le dessin. Attendez, il faut que j'enlève ça. Hop. Coucou Flo. Voilà. Coucou Flo. Coucou Bat. Ça me va, il y a Sora dans le dessin. Coucou Ombrage à coucou Flo. Ah. Je sais que je suis là. Je sais pas qui c'est moi. De quoi? Oui. Ah, ok. Je sais pas c'est qui. Mais oui, je suis très heureuse de Sora dans Smash. Salut Arcade, mais Arcade est pas là. Arcade il est en cours. Salut Lemon. Salut, bienvenue. C'est Arcade qui vous parle. Non, arrête. Arrête, non. Du coup. Sora dans Smash quoi, incroyable. Salut Matt Canide. Je suis très heureuse. Je sais pas si son gameplay me correspondra. Mais y a pas d'intro à ce live, hein, je dirais que je commence direct. Hein. Je voulais juste liver un peu, parce que ça faisait un moment. C'est pas un don à dessin du coup, mais si vous voulez faire des dons, moi je dis pas non. Ça fait toujours plaisir. Hop là. Je fais Mario de tête, hein. je regarde pas de modèle de Mario parce que je m'en bats les couilles. Sora oui, parce que ses cheveux sont complexes, mais Mario, bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, je rigole. Je kiffe cet arcade en fond, bah non, tu t'es trompé. Coucou Ombrage. Salut, de la part de Coco. Mais désolé Ombrage, qui nomme ce jeu de gamin relou qui t'explique le lore alors que tu t'en fous.
et tu lui as rien demandé. Je parle d'expérience. Ah oui, mais c'est un jeu de passionné, écoute, hein. Moi, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, forcément. J'adore ça. Hein. J'ai jamais joué à un seul Kingdom Hearts en entier. J'ai testé le 1, j'ai jamais réussi à passer le début parce que j'étais vraiment une merde. J'aimerais bien réessayer. J'essaierai peut-être quand il sortira sur Switch. Bon, c'est en cloud, mais je réessayerai peut-être quand même. Mais j'ai regardé tellement de let's play. Donald Reno dans Smash ? Non, il y est pas. Je lui ai demandé sur Twitter, je l'ai hâte, il m'a répondu direct. Il est pas dans Smash du coup ? Non. Putain. Bah non, parce qu'en fait, ils font pas les VF des persos. Ils ont fait la VF de Sonic et de Pokémon. Mais Sephiroth, Cloud et Sora, ils ont pas. Quel intérêt ? Bah, aucun. Mais j'ai déjà payé le DLC, du coup, je l'aurai. Oui, ça me brise le cœur. Le Skin Timeless Livreur, mon main, je veux rien savoir. De ouf, hein, il est trop joli. Tellement cool ce skin. Ouais, je suis trop contente qu'ils aient mis un skin qui est un peu différent. Que je me prenne les Fighter Pass. Ouais, moi je les ai pris dès qu'ils l'ont annoncé. Comme ça, je savais que même si j'aimais pas, au moins j'avais, tu vois. Comme ça, si jamais je dois jouer à Smash avec des gens et qu'ils mainent un DLC, ils l'ont, quoi. Par contre, le fait qu'ils ont eu zéro droit pour les persos Disney, c'est un peu triste quand même. Je m'attendais, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment que les persos originaux à Kingdom Hearts, mais ça fait un peu mal quand même. Parce que du coup, on a Roxas et Ventus, mais bon, ils se ressemblent tellement là, wesh. Ça va, la musique est pas trop forte ? Surtout qu'elle est un peu forte. Le son a l'air d'aller, ça va. Mais oui, il est très bien ce skin. Il est très chouette. T'as joué à Kingdom Hearts ou t'as vu des let's play de Kingdom Hearts, toi, Flo ? Coucou tout le monde, salut Mégalodon ! D'avoir Sora dans Smash, je pense qu'ils ont assez lutté avec Disney. De ouf, hein ! Nous, notre théorie avec les copains, c'était que Billette devait pas être dans Smash, mais qu'ils ont pas eu Sora. Ils pouvaient pas avoir Sora, ils avaient prévu Sora, mais ils pouvaient pas l'avoir. Du coup, ils ont mis Billette à la place. Mais c'est notre théorie, mais c'est peut-être nul comme théorie. C'est peut-être faux, mais c'était notre théorie. Bref. Hop. Il faut que je change ce bras. Il est dégueulasse. Non, mais moi, j'ai entendu la musique, j'étais assez chalée. Hein. Il faut que je vous montre la vidéo de réaction en vrai de Bat. Elle va me l'envoyer. Parce qu'en fait, Bat, au dernier moment, elle a mis son téléphone sur l'étagère pour nous filmer. Hop. Tellement dû à faire JPP. Je connais rien de KH, mais t'as acheté les premiers à la brocante la dernière fois. Ah oui, bah, Timeless River, en fait, c'est parce que tout simplement, à un moment, ils vont dans le château de Mickey. Et tout le monde retrouve le style des vieux cartoons du coup de Disney. Et du coup, t'as même Donald et Dingo. Genre, t'as Donald avec le. À l'époque, il avait un bec tout plat. Ah, il faut que je boive. Je vais chercher de l'eau, j'arrive. Ah non, il y en a là. Ah, merci. Jamais joué à Cash, mais vu qu'il sort sur Switch, je vais lui mettre, j'y pense. Faut que je me passe les Cash. Le seul auquel j'ai joué, c'est Dream Drop Distance. Oui, j'ai joué à Dream Drop Distance, mais je l'ai jamais fini. C'était un pote, l'ex-copain de ma soeur qui me l'avait prêté. Je suis à deux doigts de me refaire le Cash pour la 40e fois. Tout plat. Tu as des mini-jeux inspirés tous les courts-métrages Disney. Oui, c'était chouette. Non, oui, c'est bien, Kingdom Hearts, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça fait plaisir d'avoir Sora. Parce que même les gens qui s'en foutent, ils sont en mode « Ah, c'est Sora », tu vois, genre. Bon, il y a des gens qui sont en colère, mais bon, niquez-vous. Mais Arcane, il est en mode « Ok, c'est bien », tu vois. Il s'en fout, mais au moins, c'est un perso que tout le monde voulait, quoi. Partout, oui, on comprenait pas trop. L'intro était super, genre pas dans le thème de Kingdom Hearts ou de Disney. Enfin, Disney, on s'en fout, tu vois, mais. C'était pas du tout dans le thème de Kingdom Hearts, l'intro avec les flammes. Les gens. En vrai, j'y pensais que c'était Dark Souls dès le début.
avec la flamme et l'épée enflammée et tout ça. Hop. Y'a pas Phoenix. Non, y'a pas Phoenix, malheureusement. Mais moi qui connais R, je suis content. C'est qu'il était beaucoup demandé. Ouais, pareil pour Pringus. Il s'en fout. Il s'en fout un peu, mais il est content pour les fans de Kalash, quoi. De Kalash, oui. J'aime pas dessiner Sora. J'aime pas du tout dessiner sa coupe de cheveux, elle est insupportable à faire. Mais je l'aime. Puis Donald Renew quoi. Oh, j'ai hâte Donald Renew tantôt. Et il était pas du tout au courant, du coup je suis trop deg. Je suis vraiment trop deg. En même temps, bon, on a de la VF que pour les Pokémon et pour Sonic. Du coup, on a pas eu Sephiroth et Cloud. Mais je suis quand même deg. J'aurais voulu. Sora, Kingdom Hearts, ah ! Je suis un peu trop excitée. Non, t'inquiète, Narik, c'est un peu le mood ici aussi. Hein. C'est un peu le mood. J'espère que le son est pas trop peu fort et pas trop fort. On va dire que c'est bon. Je pense que ça va. Hop. J'espère que je vais pas me faire strike à cause de musique Kingdom Hearts, mais j'ai mis des remix chill, du coup normalement ça devrait être bon, mais bon, elles sont pas très très remixées du coup. Du coup j'ai un peu peur pour ma gueule. C'est un petit peu moins fort. Ça devrait être bon. Faut lancer pétition, oui. On était à ça d'avoir donné le Renew dans Smash, ouais c'est ça. Square Nintendo s'en fout des pétitions. Ça devrait aller, je pense. Papa Nintendo qui arrive pour le Giga Strike. Surtout qu'il faudra doubler tous les pays européens. Souvenir de KH3, mais j'espère très fort quand même. KH3 sans doublage français, c'est un crime. Hein. Tu fais pas les deux premiers KH. Limite, les. Limite, je comprends que les Dream Drop Distance. Je sais même pas s'il a fait Dream Drop Distance. Mais je comprends que les petits jeux. Petits. Les autres jeux Kingdom Hearts qui sont pas dans la veine. Dans la continuité, tu vois, dans la. Dans la grosse partie de KH. Je comprends qu'ils soient pas doublés, tu vois. Mais KH 3, alors que le 1 et le 2 étaient doublés. Imagine, t'es comme moi, t'es pas du tout à jour sur les petites. Parce que moi, je suivais pas hein, les petits jeux, entre guillemets. Petits. Jeux qu'il y a entre les gros. Moi, j'ai suivi de loin, tu vois. Je suis pas une vraie fan de KH. Je suis très fan de KH, mais je suis pas une vraie fan de KH, tu vois. Je suis une vraie fan parce que. Le fait que t'aimes un truc ne devrait pas être saboté par le fait que tu ne connaisses pas assez l'univers, c'est débile, tu peux aimer un truc autant que tu veux même si tu connais pas à 100%. Mais oui, moi je suivais pas ces jeux-là, du coup quand le 3 est sorti, moi j'étais en mode full, ouais la VF tu vois. Et du coup c'était complètement con, c'était complètement con. Par contre, pas de Uta Daikaru dans Smash, hein, malheureusement. Genre, elle a failli être à ça, hein, mais je pense qu'ils ont pas eu les droits de mettre la voix d'Uta Daikaru. Mais pas du tout, il y a aucune musique. Elle est que dans le trailer, je sais pas pourquoi elle est dans le trailer, mais elle est pas dans le jeu. Ça me brise un peu le cœur. Pas comment j'ai fait la main de Mario. Coucou Navras Live. La VF était pas dans les remaster HD, qu'elle a envie de crever. Ouais, les spin-off, au pire tant pis, mais la suite directe c'est horrible de pas avoir de doublage exactement. Disney X Nintendo c'est un pouvoir strike puissant pour ce monde. Non, Nintendo ils font pas chier.
Quand tu mets une OST de jeux Nintendo, de jeux vidéo en général, ils font pas chier. Oh là, t'es pas un vrai fan. Si tu loupes les jeux entre... Oui, t'inquiète. En vrai, je me suis genre informé, j'ai lu des trucs, on m'a expliqué. Bref, j'ai pas joué au jeu, mais je sais, genre pour... je sais plus ou moins pour Ventus, Terra et Aqua et tout ça. Même si j'ai rien compris, mais voilà quoi. J'ai aussi vu des séries abrégées ou des conneries de Let's Play sur celui juste après le 1, où il y a Namine. J'aime beaucoup Namine d'ailleurs, c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais bref, voilà. Moi j'étais SO Frigiel, je regardais les Let's Play de Frigiel. D'ailleurs, j'ai arrêté de regarder Frigiel depuis très longtemps, mais dès KH3 est sorti, c'est son let's play que j'ai regardé, j'étais en mode, je commence avec Frigiel, je finis avec Frigiel, tu vois. Mais s'il y avait d'autres youtubeurs que je suivais, tu vois, je suis en mode, non, je... Tu retournes aux sources, tu vois. C'est comme, je sais plus, j'avais regardé plusieurs let's play de Undertale, du coup j'ai pas vraiment d'attachement, mais si tu regardes un let's play avec un youtubeur de Undertale, tu regardes son let's play d'Eltarune, tu vois. Faut que tu restes... être fidèle. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça me fait juste rire. J'aime pas du tout sa main, on dirait que c'est pas que c'est la sienne. De KHB Live, quoi, tu connais pas cet event d'il y a 3 minutes dans la chronologie, blablabla. Ouais, c'est ça. C'est plus Square qui veut pas être de VF, déjà que Cloud a même pas à savoir en anglais, en anglaise. Oui. C'est trop triste. Salut Ferris. Non mais le non-respect pour la VF. Et pour genre toutes les versions en dehors des originales, quoi, c'est dommage. Ça fait plaisir quand même, parce que enfin, tu grandis avec une voix et tout ça, forcément tu la veux plus tard, tu vois. Enfin limite tu commences, tu termines quoi, si tu fais une VF de KH, tu fais une VF à KH quoi. C'est ce que de nos jours, c'est pour ça que j'aime pas le... Je comprends les gens qui préfèrent les VO, mais quand tu prioritarises la VO, ça rend la VF un peu obsolète, parce que les gens, bah du coup, bah, ils... même les gens qui ont un peu du mal peut-être avec les sous-titres, ils vont s'y habituer. Et y a pas de mal à s'habituer, c'est très bien, tu vois. Moi j'aime beaucoup pouvoir avoir des trucs en VO sans devoir, même devoir avoir de sous-titres, parce que maintenant je comprends l'anglais complètement, tu vois. Mais ça fait mal quoi pour le métier de doublage de d'acteur, du coup de comédien de doublage et juste les gens qui aiment les VF quoi et qui aiment bien le jeu français. Enfin le jeu francophone du coup. Comment dessiner Mario. Je suis pas fan de comment j'ai fait sa tête. Quoi de son autre putain de bras là, à Mario. Putain, j'aurais pu faire, je suis con. J'aurais dû faire Mario qui vole avec sa casquette à elle et Sora qui vole à cause de grâce à Peter Pan. J'aurais dû faire ça. Tant pis.
Hop. La petite casquette de Mario, là, tranquille. À quoi il ressemble, Mario ? À quoi il ressemble, ce connard ? Mario ! Ah oui, il a deux trucs de merde pour ses cheveux, là. Genre, ça fait ça. Oup, oup. Après le live d'ailleurs, ah ok. Salut, je live si jamais. Ah, tu fais quoi ce soir, mon pote? Ok. Il y a Doomguy dans ce match techniquement d'ailleurs, c'est vrai. On va pouvoir faire des petits combats avec Marie. Mais si tu veux, maintenant on va commander. Hein. Nous on veut commander avec. Si tu veux, genre cuisiner que pour toi et Kerry, nous on va peut-être commander avec Bat et Ombrage. Et. Non, en vrai, faites-vous à manger pour vous deux, nous on va commander. Te mets pas dans la sauce alors que t'as une longue journée. Repose-toi. Je vais vite demander, je reviens. Je vais juste demander à mes colocs comment on se débrouille pour la bouffe ce soir. J'ai pas encore pris la Fighter Pass, mais j'ai quand même relancé Smash. Ah! Coucou Sérène! Je suis encore dans le bus. Et si vous pouvez pas arrêter d'avoir du talent pour vos logos. Non mais c'est abusé, ils sont trop beaux. Ah oui, j'ai posté le mien aujourd'hui. On est le 5. J'ai pas posté le mien. Si? Non, j'ai pas posté le mien, alors qu'il est fait. Je le poste. Je le poste maintenant, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, c'était un fleuriste, du coup. Bienvenue, Sérène. Je vais vous montrer ça du coup. J'ai juste fait le pigeon qui. Parce que ben, je voulais mettre un pigeon. J'ai juste trouvé une excuse pour caler un pigeon pour aujourd'hui. Je sais plus c'est quoi pour demain, mais faudrait que je le passe ce soir. Non, voilà. Un abonnement niveau 1. Merci Sérène. Merci Silver! Ah oui, allez voir le logo Tober de Manoa. C'est un logo par jour, à partir du 2. Du coup, vous avez le temps de le rattraper, hein, si vous voulez le faire, et si vous voulez le faire vite. Et voilà. Oh, you smiled at me and said, oh baby, do I love you, but does that mean I have to meet your father? J'adore les paroles de cette chanson parce qu'elles ont rien à voir avec Kingdom Hearts. Genre, mec qui se balade dans des univers de Disney, les paroles,
chérie, je t'aime, mais ça veut vraiment dire que je dois rencontrer ton père. J'aime beaucoup. Sa grosse moustache, là, j'arrive pas à la caser, ça me saoule. Mais il est trop stylax. T'as déjà entendu les lyrics de Kiss Me Twice? Non, non, si, si, oui. Si, si, si. D'ailleurs, Uta Nakero, elle voulait pas être chanteuse à la base, elle voulait être dentiste. Comme l'auteur de SNK qui voulait tenir un spa. C'est un peu drôle. Ah, le train de la hype! Mais putain, Flo! Tu as offert 25 abonnements sur cette chaîne, je pense que tu dois t'arrêter. Bienvenue à tous les nouveaux, merci beaucoup Flo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Profitez bien de vos petits badges, de vos petits émotes, de mes petits OC. J'arrive pas à faire la moustache de Mario, mamma mia. Vous savez quoi, je vais les faire en croquis parce que flemme. Enfin pas en, juste avec un line plus croquis et pas un line propre quoi. Allez, s'il te plaît. Je vais lui faire cligner de l'œil, mais on le voit pas à cause de son gros nez. Ça peut-être qu'on voit. Hop. Hop. Hop là. Ah, je profite à dire. Désolée si je peux pas. Ah, c'est bon, vous avez pas trop de monde. Et Flo, ouais, Flo, chouchou. Mais Flo, merci encore. Moi, ça finit ce soir, je pense. Ce Mario dissident. Désolée si je parle pas trop. Je dois réaliser des commandes. T'inquiète, moi non plus, je parle pas trop. Quand même, pendant quelques secondes, Mario aurait manié une Keyblade. Oui. Après, il l'a pas manié, il l'a tenu. Il l'a pas utilisé, il l'a juste lancé. Mais oui, pendant quelques secondes, Mario a eu la Keyblade en main. Et on a Kirby avec des Keyblades. Éthéral comme ça quand il porte quand il avale Sora.
hype. Mission accomplie. Oh, on peut avoir les émotes moches. Chouchou. S'il a ouvert une porte pour Sora, donc techniquement, si il l'a manié. Ah oui, bah oui. En soi, oui. Qui va être des rêves. En fait, Cartas, j'ai pas pu t'envoyer la photo hier, mais j'ai appelé ma mère pour un appel très long. Bon. Ah oui, oui, t'inquiète. Pas de soucis. En vrai, mécaniquement, maître de Keyblade. Bah, en vrai, ça veut rien dire, hein. Parce que quand tu regardes les plus récents et le jeu sur téléphone, en fait, être un master de la Keyblade, ça veut rien dire. Pouvoir tenir une Keyblade, c'est un peu arriver au premier venu, quoi. C'est pas si rare que ça. C'est le premier jeu, on bassine Sora en mode oui, tu manies la Keyblade, blablabla. Mais bon. Au final, c'est pas si important que ça. Hein. C'est pas si grave que ça. Par contre, je suis content qu'il y a pas Uta Daigaru, mais au moins il y a l'OST de, enfin les OST de Kingdom Hearts, ça fait plaisir. Genre les OST de combat et tout, elles sont vraiment cool. Franchement, j'avais oublié, à chaque fois j'oublie à quel point j'aime Kingdom Hearts jusqu'à ce que j'en entende parler. Hein. La Smash Sora était dedans, j'étais oh putain, en vrai j'aime beaucoup Kingdom Hearts, j'avais oublié. C'est gros. Absolument toutes les références Disney ont été gommées. Genre même Sakurai en parle pas. Oui, 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 ça c'est chiant. Juste au téléphone, il se passe des centaines d'années avant. Maintenant, c'est un peu plus rare. Oui, oui, je me doute. On a le Sir Forgotten River. Ah oui, ça c'est vrai. Mais bon, c'est vieux cartoon, quoi. C'est fait ref à Disney. Enfin, la plus grosse ref à Disney qu'on a, c'est le Mickey sur la porte-clé, hein. Sûrement que les contrats... Ouais. Oui, mais oui, hein, ils avaient pas du tout les droits. Hein. Les vitraux sont sublimes. Moi, j'étais en mode, putain, ils vont mettre le vitrail de Blanche-Neige, mais non. Parce que dans le premier tuto de Kingdom Hearts, t'as les vitraux des princesses. Qui continue la théorie que c'est pas Kairi la vraie princesse, pour moi, c'est Sora. Sora, c'est une princesse Disney. Putain, on n'a pas. Ça, en fait, ce qui me rend vraiment triste, en dehors de. Oh, c'est une ref à Disney, c'est rigolo.
Donald et Dingo, ça fait mal quand même. Parce que c'est quand même les compagnons de... C'est quand même les compagnons de Sora, quoi, tu vois. Ils sont importants dans le jeu. Surtout, surtout Donald, putain, ils ont une putain de relation enemies to lover, là. Enfin, il y a une très bonne relation de... Un peu de taquinage entre Donald et Sora. Et ça fait plaisir. Ils sont très cool. On aurait eu Dingo dans Smash, quoi. Enfin, Dingo dans Smash, quoi. Il aurait tendu... Oh. Putain, t'aurais pu faire Banjo et Dingo. Genre, ça aurait été... Oh, oh. Ça aurait été trop drôle. Genre, limite, le taunt, tu vois. Genre, il est là dans le taunt, ça aurait été ouf. Mais oui. Ça fait mal. Puis, franchement, je suis en mode, pourquoi vous voulez pas vous associer avec Nintendo Disney, genre, putain... Ce serait parfait. Vous dominerez le monde, de toute façon. Les deux grosses multinationales. Là. Je sais pas pourquoi ils veulent pas se lier à Nintendo. Tika, je sais pas une raison. Peut-être que c'est trop violent pour Smash, pour l'image de leur perso. Alors que dans les vieux cartoons Disney, ils se tiraient des balles. Voilà. Ils ont sacrifié Donald Dingo pour Sora. C'est à cause des droits de Disney. On disait que Sora, c'était pas possible. C'est un perso que... Donald, ils sont morts. Et Dingo qui est un peu un grand fa, elle est protégée, oui. Non, c'est Dingo qui est mort dans Cash. Pas de Duck ni de Renew. Sakurai n'aime pas les Donald. C'est pas Sakurai. Ils sont pas là. Ils auraient fait son fameux cri quand il se fait expulser. Oui, il y aurait le Yahoo! Ça aurait été ouf. Ça aurait été trop bien. Ça me rend tellement nostalgique qu'il ne meurt pas, moi. Là, j'écoute les musiques, là, et j'ai vraiment des flashs de moi à 13 ans, quoi, ça me fume. Et les gens qui aiment Kingdom Hearts, ils sont passionnés. À chaque fois que t'aimes, genre, Kingdom Hearts, c'est une série où quand t'aimes Kingdom Hearts, t'aimes Kingdom Hearts, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les gens sont autant attachés. Mais ça marche, quoi, c'est ouf. J'adore Utada Hikaru en plus. C'est une de mes... Je connais pas beaucoup de chanteuses japonaises après, mais c'est une de mes chanteuses... En dehors du japonais, juste une de mes chanteuses préférées, je pense. J'aime beaucoup ses musiques. Bienvenue, Dolly Proart. Bienvenue. Ça dessine tranquillement. Après l'annonce Smash, là. Désolée si je ne peux pas vous lire, d'ailleurs. Je vais faire de mon mieux, là. Mais j'essaie de me concentrer, parce que... Hop, j'ai pas envie de traîner. Parce que de toute façon, on va... Je vais pas le faire tirer très longtemps, ce live. Je pense moins de 2 heures, parce que...
on doit manger. Mais je voulais trop faire un petit live pour Vitoche être en mode putain, Sora dans Smash quoi. Voilà. C'est dommage, j'ai vraiment aucune attache particulière à la série. C'est toujours une série que j'ai connue vite fait de loin. Ouais. Aussi les fans de Cash, besoin d'un coup de main pour. C'est gentil Flo, mais je vais pas. Déjà j'essaie de m'entraîner à savoir lire et machin en même temps. Mais de toute façon, faut qu'on fasse le live Okami et le live Bannière ensemble. Mais là ça va, c'est gentil. Je vais me débrouiller. Faut jouer au jeu Flo. Moi j'ai eu le premier cache quand j'étais bien plus jeune. Et juste une fois, chez quelqu'un qui m'a invité à déjeuner. J'avais absolument pas compris ce qu'il fallait faire dans l'une des premières salles. Et je suis restée bloquée. Moi j'ai essayé de jouer au jeu après avoir... J'étais déjà fan parce que je regardais Let's Play. Mais j'ai pas passé genre le tuto, un truc comme ça, parce que j'étais vraiment nulle. Mais faudrait que j'y réessaye. Peut-être que bah, avec le truc là, le pass, avec le pass, avec les portages sur Switch en cloud, là peut-être que je pourrais essayer. Hop. Ah, du coup, attendez, regardez. J'en ai fait mon fond d'écran pour le moment, du coup. Parce que je trouve que c'est quand même une belle image pour la fin de Smash et tout. Voilà. J'en ai fait mon fond d'écran. Et j'en suis très contente. Il ressemble encore Mario. Mario ? Bah, je vais prendre la même couleur que sur Sora, écoute. Hein. On va faire ça. Ils ont plus ou moins le même code couleur. On va en profiter.
Et les yeux bleus. Ils ont vraiment le même code couleur, hein, c'est vraiment la même personne. Ça tombait bien. Hop là. Oula. Le son m'a fait peur. Oh non, en plus c'est des connards dans le remix Lofi, ils ont mis la... Ils ont mis l'OST du coup de KH2. Et le moment, l'intro de KH2 où Roxas doit rejoindre Sora, entre guillemets. Bienvenue, Mister Retrogone. Bienvenue. On dessine du petit Sora là, tranquille. Pour fêter son arrivée dans Smash. Ah, elle ressemble à Daniel Balavoine, si je me souviens bien. Quoi? Il faut que tu organises un jour pour tes streams. Je fais de mon mieux, j'ai juste pas assez de temps, je file. J'ai le temps, moi, c'est juste que j'oublie. Hop. Hello qui? Hello, Senzen, hello! Rockaz my boy. 358 sur 2 days m'a fait si chialer, je l'ai jamais fait. Ou je l'ai jamais vu de let's play. Ça va bien, ça va tranquille. Première fois que je viens à un tel live. Bienvenue. C'est du live dessin. C'est rare que j'en fasse des comme ça. La plupart du temps, mes live dessin, c'est un don, un dessin. C'est-à-dire que tu donnes la somme que tu veux. Il n'y a pas de limite, genre en dessous d'un... Tu peux me donner en cents. Bon, c'est cool de plus donner parce que ben, moi, je vis de ça, du coup. Mais si jamais tu veux... Si tu, jamais tu vois... Tu passes sur un de mes lives, un don, un dessin, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux demander à un OC, tu peux demander toi, genre tu m'envoies une photo en DM sur Twitter ou autre, machin. Tu peux demander à un perso de fiction qui fait un truc que t'as envie, genre tu demandes Daisy qui fait du tennis, par exemple, moi j'adore Daisy. J'ai une page Twitter, tous les liens sont en dessous, normalement. Du coup, n'hésite pas, hein, sale-toi, fais comme chez toi. Ça fait plaisir. Est-ce que tu vis nu parce que tu as vu que c'était sur Smash Est-ce que tu es contente du nouveau DLC ou est-ce que tu t'en fous? Raconte-nous un peu ta vie. Je pense qu'il n'y a plus de musique. Ouais, je vais mettre... Voilà. Hop. Réseau. Merci Flo. ça vient ici. Petit, faut le dire vite. Avec ses cheveux, Sora, il est un peu plus grand que Mario sur le dessin. Il est un peu, oui. Si tu veux une Daisy, il y a le Daisy fresque aussi. Ah oui! Pour 10 000 points, du coup mes points de chaîne c'est des bonbons crocodiles. Pour 10 000 bonbons crocodiles t'as un dessin gratuit.
Et pour 5000 bonbons crocodiles, t'as une Daisy sur la Daisy fresque. Et je dessine Daisy avec ton nom à côté d'elle sur une fresque que j'ai dans mes fichiers. Yo les hey, salut Ganaril. Vision Head, moi j'avoue que je me demande surtout quelles fanfics vont sortir de ça, no joke. Eh en vrai ouais hein, en vrai Sonic peut rencontrer Sora. Qui d'autre qui pourrait bien aller avec Sora en termes de perso? Qu'on va mettre sur ça. Voilà. Bonjour. Hop, pour les joues. Sora, you wanted one, didn't you? Yep. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Fichier importé, parti fond carreau là.
rajouter. Ouais, non, je vais mettre plutôt un truc genre. Comme ça. Oula, c'est violent ça. Le lien Discord ne marche pas. Ah, pardon, faut que je le mette à jour. Merci Flo. Le lien en bio est fonctionnel. Le lien. Ah oui, le lien dans le. Faut que je change ça du coup. Sora qui prend du haut de cunt pour donner les lingots à cause du règle. Oui! Oui, de ouf, j'ai trop envie de faire ça parce qu'en plus il leur ressemble un peu. En vrai, dans tes danses, ça aurait été un perso avec un move extrêmement varié. Une petite dame qu'il a. Je serais bienvenue à la Minasia aussi pour vous rencontrer, mais je commence le taf, c'est trop loin. J'espère que vous vous amuserez là-bas et surtout toi en costume de Daisy. Bah, un plaisir, s'il y a des gens qui viennent à la Mia. Oula! S'il y a des gens qui viennent à la Mia, moi j'y serai du coup. Éclat. Fanon et fanfic et netcan que j'aime Smash Bros parce que les méga crossover, parce que l'hémisphère spatial me fait vouloir plus ce genre de truc de ouf. Je veux juste des interactions en fait, je veux juste des animatiques, enfin des animatiques, des cinématiques, etc. Tu vois, j'en avais besoin dans ma vie et j'en ai pas eu. Thank you.
Désolée, je suis très concentrée. Je parle pas beaucoup. Hop. Je suis en train de réfléchir à quoi mettre pour que ce soit sympa. Hop. Je vous ai tellement pas lu, je suis désolée, j'étais concentrée sur la fin. Une Daisy pour la Daisy fresque. Let's go. Let's go, let's go. Je vais vous lire, hein, je vais remonter un petit peu le chat là, après. Ouvrir. Elle l'a, la Daisy fresque. Let's go. J'ai presque envie de faire une... Non. Je vais faire une... C'est pour Sérène. Pour Sérène. Je vais faire... Une Daisy. Non, attendez. Pour Sérène, je vais faire une Daisy. Une harmonie.
Voilà. Let's go, lesbienne, let's go. Oh, elles sont potes. Mon ship pour harmonie, moi, c'est Pauline. Du coup, mais oui, lesbienne. Des harmonies. Oui. Oh, c'est pas que t'es prévisible, c'est qu'on a chacun sa préférée, écoute, hein. Let's go. Sora dans Smash. Voilà, c'est le nom du fichier. Et on va le publier sur le Twitter. Yes. Voilà. Hashtag Sora. Sakurai, parce que quand même. Voilà. Bonne sauce. Sora sans sauce. Vive les lesbiennes, ouais. Allez, Power Nightzone. Voilà, je l'ai publié si jamais. Si jamais il est là. Le voilà. Le petit dessin. Désolé, je suis retombée sur un dessin des Chip X, des X, Harmony, bah let's go. Une lesbienne, c'est pas vraiment tout ça. Le like est déjà posé. Le like est posé. Le like est posé. Je pense que je vais vous laisser là. Ça aurait été vraiment un tout petit live de une heure. Un petit dessin rapide, mais je voulais juste un petit peu partager ma hype de Sora, de Kingdom Hearts, que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup de nostalgie dès que j'écoute les musiques, qui est un jeu que je trouve un peu bullshit, mais dans le meilleur des sens. Et voilà, je voulais juste faire un petit truc rapide de une heure. Et on se refera un live de 6 heures Humanisation Sonic avec Arcade, ça c'est promis. Mais là, on va aller manger au BK avec les potos, là. Et du coup, je vous fais des gros bisous. J'ai qu'à vous... En vrai, j'ai qu'à vous... La soirée ne fait que commencer, j'ai qu'à vous raid. Chez quelqu'un.
Il y a Pommeline, qui est une artiste que j'avais déjà raid une fois, qui est live là. Sinon, il y a Surya, qui est un artiste qui fait du... qui fait sur papier, qui dessine sur papier. Du coup, c'est aussi intéressant à voir. Et sinon, il y a Jidé aussi, que je pourrais raid. Mais oui. Putain, Becca, jalouse là. Ouais, j'essaie de pas trop manger dans les fast-food et tout, mais... Ah non, il dessine sur tablette. Bah, il bosse sur sa BD. C'est plutôt calme ce qu'il fait. Y allez-y que si vous allez y rester, hein, si vous en allez, allez-vous-en. Ou alors, limite, dites bonjour. Mais bon. Allez, je vous raid chez lui. Attends, il s'en va. Attends, je vais attendre qu'il revienne. Je peux vous raid quand il est pas là. Quelle vie ! Il est parti chercher un truc. Attendez. Écoute. He's lost, je vais vous raid plutôt chez Pommeline. Let's go. Elle fait un joli dessin, là. Je sais pas de quoi elle parle, mais elle fait un joli dessin. Voilà. Allez, des bisous. Bye bye, merci beaucoup d'être venu. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye.